balade la pavée d'un galop au clignot, ben si tu souhaites pas son joulet sur la vente. Tu la brigale, si si j'en prie, elle donnerait à manger à ses chaussons de 10 chats pour qu'ils vivent éternellement, c'est collant. Manu Louis, la défame du village, victime du commérage. J'ai pas si c'est vrai, pas si c'est pas vrai, voulons savoir l'histoire de Marie. C'est chaud et si vénère, c'est si bon, là, sa nuit, il faut qu'elle la forme dans une cage plate. Il parlait que c'est un énorme matou quand il est en job, il saute au corps et saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort celui qui ose aventurer près du décor. Marie-Louise, la vieille femme du Moulin, un peu plaquante de ses voisins. C'est monsieur le curé qui m'a raconté, il y a tellement de oui dire sur Marie-Louise. Faut demander là qui peut d'aille. Car on mange la bouffe pour les choper qu'un balai avec anciens enfants fouluches. Petite hutte, pâte de poule, court, petit court, petit court, court, court. Marie-Louis, la défame du village victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, pas si c'est pas vrai. Allons savoir l'histoire de Marie-Louis. Ceux d'avant, il paraît, quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont vendu, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont poigné, ils l'ont tombé dans le mazout comme du crépoil en une crotte. Oh oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu l'or. Marie-Louise a rendu l'or. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, la femme des moulins, c'est même pas la place. C'est monsieur le curé qui m'a le compté. Il y a tellement de oui sur Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise.